C'est très facile de se poser devant la télé et de perdre énormément des heures sans se rendre compte. Là également, il y a des chiffres que j'ai pas devant moi, mais je mettrai peut-être dans la description du nombre d'heures que les personnes en France passent devant la télé tous les jours. Je pense que c'est 2 heures à peu près. C'est dans les 2 heures en moyenne. Et là encore, si tous les jours tu regardes la télé et que tu me dis que tu n'as pas le temps pour étudier tes cours, à un moment donné, il faut voir la vérité en face. Si tu me dis que tu n'as pas le temps d'étudier tes cours et que tu passes ton temps devant la télé, il faut vraiment que tu définisses tes priorités. Parce que oui, c'est pas glamour lorsque tu te rends compte que tu n'as pas du temps dans tes études, lorsque tu vois que tu es dépassé, tu as trop de cours à lire, tu es en retard, voilà, tu vas commencer à paniquer, tu vas commencer à stresser, tu te dis est-ce que tu vas avoir le temps de rattraper tous ces retards avant les examens, parce que tes examens sont importants pour toi, parce que tu vas avoir des bonnes notes, parce que tu as des concours à venir, tu as envie de réussir tes concours, voilà, tu as envie de réussir tes études pour faire le métier que tu vises en lien avec tes études, et je comprends totalement. Et maintenant, en fait, lorsque tu vois le métier que tu as envie de faire, lorsque tu vois les études que tu as envie de terminer, c'est là que tu dois vraiment définir tes priorités, en fait. Est-ce que ta priorité, c'est de passer 2 heures devant la télé, ou pour commencer, réduire les 2 heures à 1 heure et passer 30 minutes devant tes cours. Moi, la méthode que je vous prône, et je le répète dans toutes les vidéos, c'est d'étudier tes cours 30 minutes, mais de le faire tous les jours. De le faire tous les jours. Et une méthode supplémentaire que je revendique, c'est de se lever à 4 heures du matin. Parce que déjà, si tu te réveilles à 4 heures du matin, la télé, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à la télé à 4 heures du matin? En tout cas, je pense moins que le soir. Donc là, à 4 heures du matin, tu n'as pas la télé qui va t'emmerder. Même tu n'as pas les amis qui vont te dire d'aller jouer au foot. Parce qu'à 4 heures du matin, tous tes amis, en tout cas ceux qui vont t'inciter à aller jouer au foot, généralement, ils ne se lèvent pas à 4 heures du matin. Ils dorment. Je vous rappelle que pour ceux que ça intéresse, vous avez la masterclass de gestion de temps dans la description. Vous pouvez aller cliquer dessus. Et voilà, ça vous engage en rien. Vous allez cliquer dessus, vous allez regarder les explications. Et vous pourrez potentiellement bénéficier de l'offre promotionnelle qui est avec. Donc voilà, allez regarder, ça vous engage en rien. Si vous voulez vraiment mettre de la valeur sur votre gestion de temps et que dans les semaines prochaines, vous rétablissez tout ça. En plus, c'est la fin de l'année qui approche. Là, vous n'avez pas beaucoup de temps. Il ne faut pas qu'à la fin de l'année, les mauvaises notes arrivent. Non, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut réagir maintenant. Donc voilà, allez, jetez un œil. La masterclass, c'est vraiment structuré. C'est un plan d'action qui vise à avoir les résultats. Et donc, les résultats sont garantis. Tout est une question de priorité. Faites de vos études vos priorités. Après, vous pouvez vous permettre d'aller dans votre téléphone, faire ce que vous voulez. Mais la priorité passe avant et ensuite, les autres arrivent après. Si vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo, mettez-moi un beau hashtag discipline dans les commentaires. Posez-moi toutes vos questions. Je vais les prendre en compte et je ferai en sorte de vous donner les outils nécessaires. Mon objectif est qu'à la fin de l'année, on ait 100% de réussite et que vous réussissez vos études.